Mes chers amis, bonsoir. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous et de prendre part pour la première fois au gala Charlevoix reconnaît. C'est un privilège d'accepter le titre honorifique de grand bâtisseur ce soir. Vous savez, les gens de la région ont la réputation d'être proches les uns des autres, de former une communauté forte et de bien se connaître. Alors, j'apprends rien en vous disant que malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de grandir dans ce coin. Mais comme beaucoup de Québécois, j'ai visité la région à maintes reprises au fil des ans et comme presque tout le monde, je me suis toujours senti chez moi, ici. La beauté du paysage, la bonne bouffe, les nombreuses activités, été comme hiver, moi et ma famille gardons de très bons souvenirs des moments passés ici et du plaisir qu'on a eu. Mais ce qui fait de cette région un endroit à part, un lieu à la fois familier et magique, c'est ceux qui y habitent. C'est vous qui êtes assis devant moi ce soir, vous qui accueillez mon équipe, mes amis, ma famille, nos invités, comme s'ils étaient les vôtres, que ce soit dans les restaurants, les boutiques, des hôtels, sur les pistes de ski ou dans la rue. En effet, la plus grande richesse de Charlevoix, ce sont ceux qui y vivent. Et c'est justement pourquoi nous avons choisi Charlevoix pour accueillir la prochaine rencontre du G7. Je voulais que les dirigeants fassent l'expérience de votre accueil légendaire. Je voulais qu'ils se sentent chez eux. Mes amis, je suis très fier d'amener le monde chez moi au Québec ce printemps. La région de Charlevoix représente bien le message que le Canada envoie au reste du monde, qu'il est non seulement possible, mais nécessaire de trouver un équilibre entre la croissance de l'économie et la protection de notre environnement. Ce sera l'occasion pour nous d'avoir des conversations franches et ouvertes en vue de bâtir un monde plus vert, plus égal et plus prospère. Mais ce ne sont pas que des dirigeants qui tireront parti d'un G7 dans Charlevoix. En effet, toute la région profitera d'une grande visibilité sur la scène mondiale qui entraînera des retombées économiques pour les entreprises locales et les citoyens. Restaurateurs, hôteliers et commerçants, nombreux sont ceux qui bénéficieront de ce G7 pour les mois et les années à venir. Cela dit, on doit se préparer à recevoir de la grande visite. Nous devons tout d'abord prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des dirigeants et aussi et surtout des citoyens. Nous devons travailler avec la communauté internationale pour assurer le bon déroulement des événements. Nous devons collaborer avec les citoyens et les intervenants de la région pour identifier les besoins en matière d'infrastructure et faire des ajustements. Nous avons déjà commencé le travail de préparation et je tiens à vous assurer que ce travail se fait toujours en collaboration avec la communauté. Ce soir, vous me faites l'honneur de me décerner le titre honorifique du grand bâtisseur. Pour moi, un bâtisseur est une personne qui entreprend des projets capables de résister à l'épreuve du temps. Des projets qui sont là pour rester. J'entends être à la hauteur du titre qui m'est conféré ce soir et voir, à terme, un projet dont la région pourra profiter non seulement ce printemps, mais pour des années à venir. Donc, lorsqu'on parle de rénover ou de construire de nouvelles infrastructures, c'est pas seulement pour la grande visite, c'est aussi pour ceux qui la reçoivent. Pour mener ce projet à terme, mon équipe et moi continuerons d'entretenir un partenariat solide avec votre communauté et être à l'écoute de vos besoins tout comme de vos inquiétudes.
C'est ensemble que nous entreprenons ce projet et c'est ensemble que nous le réaliserons. To see this project through, my team and I will continue to build a strong partnership with your community and listen to your needs as well as your concerns. We're taking on this project together, and together we will realize it. Encore une fois, je dois vous remercier de m'avoir invité ici ce soir. Je sais que, comme vous, je suis impatient de continuer à travailler avec vous pour assurer le succès de la prochaine rencontre du G7 et surtout la prospérité de Charlevoix. Merci beaucoup tout le monde. Merci mes amis.